Wow. Appuie sur entrée. Non, j'appuie sur A moi. Je suis un fou. Un fou, j'oublie pas ce que me dit l'ordinateur. Déplace le curseur jusqu'à ce que l'œil soit à peine visible. Ah, il y a un œil. Ah oui, d'accord, effectivement. Il y a un œil. Je vais me mettre comme ça ira bien. Et réfléchir des fois dans les nerfs. Oh putain. Oh putain, faut réfléchir. Oh putain, ça va m'énerver. Oh putain, faut que j'utilise mon cerveau dans un jeu. Ça va pas le faire. X, tu as pas pris tes cachets. Alors, synchro vertical, oui. Oui, voilà. Un écran, gna 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 gna. Ultra. Volume sonore du jeu, je baisse. Voilà, j'ai baissé. Bon, c'est bien, il m'a tout mis en élevé, tu vois. Si j'ai fini le jeu, tu peux le finir. LOL. Oh, du coup, tu l'as fini alors. Commande. Sprinter, saisir, s'accroupir, déplacer. Voilà, tu vois, t'as besoin de tutoriel, là, c'est tout expliqué là. Sauter, briquer. Saisir, sprinter, bon j'aurais oublié à la fin du. Quand je serais revenu dans le jeu, mais. Mais au moins laisse expliquer. T'as pas besoin de 30 000 tutoriels pour te dire si t'as mis sur le bouton A, ça permet de sauter. Vas-y, essaye, il y a deux planches, essaye de sauter sur l'autre planche. Monte un peu, on n'entendra pas les craquements sinon. Ah, mais évidemment, j'ai fini ce jeu. Ah, d'accord, tu veux que je monte un peu le son? Je m'en occupe. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Deux fois, punaise, bah, il est bien alors. La petite sauvegarde, c'est parti. David Shadow a lancé un raid, nom de Zeus! Il a lancé un raid de 6, mais il est fou! Yeah! GG! Bah, merci Velvet Shadow pour ton raid. Super sympa. Trop cool. Merci à toi, bah, c'est tombé, je lance un jeu, je commence tout juste un jeu. Little Nightmares. C'est pile le début, je viens tout juste de cliquer. Ah super, merci pour le follow Xiaomei. Du coup, je sais pas si on entend bien le jeu. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Bon, je découvre le jeu, je l'ai jamais fait celui-là. Bon, moi, on m'en dit que du bien, donc. J'ai envie de le faire. Ah, mais je joue! Ah, mais j'attendais que ce soit une cinématique, moi. Stresse facilement VX? Non, je stresse pas d'habitude. On me dit souvent, on me dit au boulot, on m'a souvent dit tu stresses jamais. Alors peut-être que je le renferme trop en fait, mon stress, je sais pas. Oh, il y a des interactions avec les objets. Donc je peux saisir des trucs, je crois. Ton là. C'est quel bouton déjà? Là j'ai un briquet. Waouh! C'est qui? Elle va peut-être pas aimer un ennemi. Ah, pourquoi? Laisse-moi deviner, cet ennemi a des pattes. Waouh, on peut bouger la caméra, mais c'est trop classe. C'est mon premier raid parce que j'ai joué à Tomb Raider. Blague! À Chao, pas mal, pas mal. J'apprécie cette blague, je vote 10 sur 10. Bonne blague. Ah, regarde ça, Dylan, effectivement. Ça, c'est un jeu qui est bien foutu. Pas comme NFS rival, tu vois. Au moins, là, tout est intuitif, tout fonctionne. 6 sur 10. Alors moi j'aime bien, c'est typiquement mon humour, donc c'est impeccable.
J'ai raté une fesse? Pff, ouais, bah. Je crois que t'as raté un moment d'anthologie, C3. On voit rien là-dedans. Faut que tu regardes le replay, parce que je me suis bien énervé sur une fesse. Et là, je casse tout. Là, on n'entend pas assez le son, non? Tout cassé. Sauter. Franchement, il est magnifique ce jeu. C'est simpliste, mais. Tout est bien travaillé, quoi, en fait. Ah, je peux pas sortir. Ah, je suis dans le noir. C'est clippé? Non, c'est pas clippé. Ah, c'est là. C'est pour saisir. Ah, mais je suis dans le noir. Ah, mais attends, mais je peux allumer ça en fait. Yes. J'ai fait sans avoir besoin d'allumer du coup. Bon, ben révolte! Bon, bah, révolte. lumière. Je vois pas où je vais. Génial. Ah Dylan, regarde là. Regarde, ça fait 2 minutes que je joue. Est-ce que je me suis énervé déjà? Non? Bon, ça veut dire que le jeu est bien. Voilà. Pas comme NFS. C'est pas clippé. Je pense pas que. Je sais pas s'il a fait des clips, Dylan. Franchement, il est classe ce jeu. Je peux tomber? Ah oui. C'était une question con, réponse con. Bonne. Pourquoi t'es stressé, Dylan? C'est à cause de moi? Je t'ai énervé? T'as subi mon stress de NFS? Bon, je vais prendre les escaliers plutôt que faire le con. Franchement, il est classe ce jeu quand même. C'était quoi déjà pour attraper? Je peux tirer là quelque chose ou pas? Non, je peux rien tirer. Allumer. Allumer. Ah bah non, je peux pas allumer, c'est une poupée. Ok, d'accord. Ah, je peux prendre la poupée. Pour le mettre quelque part, je ne sais où. C'est super sombre. Je passe avec ma poupée, moi. Bon, c'est bien foutu. Franchement, Ah! Je peux me balancer des trucs. Putain, merde, j'ai fait un A, là, Denis Brognard, quoi. Ah! Je peux balancer les poupées, quoi. Oh, merde, je l'ai pété. Ah. T'as vu, c'est 3. Sans le vouloir, en plus. Hein. Sans le vouloir, je l'ai fait. Hein. Et c'est sorti instinctivement. Est-ce que, du coup, par exemple, je peux prendre ça? Putain, c'est lourd. Je peux pas le bouger. Et les animes et tout, c'est trop classe. Hein. Et la poussière qui sort du matelas quand tu rebondis, quoi. Ouais! J'ai fait un succès! Il y a un succès! Il y a un succès pour avoir sauté sur le matelas, quoi. Enfin, sauter plusieurs fois sur le matelas. VX Brognard. Ah! Mais c'est énorme! Enfin, c'est énorme, c'est marrant, quoi, qu'ils aient pensé à ça. Bon, pour l'instant, j'avance simplement, parce que je sais pas trop, effectivement, le but du machin, ce que je fais là. J'ai des pantoufles, si je veux, je peux les mettre. Non, je peux plus. Par contre, je peux les prendre. J'ai pris une pantoufle.
je peux prendre du PQ aussi. Je vais faire caca. À demain. Oh merde, par contre ça c'est moins drôle. Oh merde, y a un mec qui s'est pendu. Moi je fais le con et y a un mec pendu au-dessus quoi. Ah, il a laissé une lettre. Je peux lire au moins. Salut Wings. Bienvenue. Bienvenue, cher viewer de Velvet Shadow. Pourquoi j'arrive pas à prendre la lettre? Prendre la lettre, moi. Je vais la prendre. Je vais savoir ce qu'il dit, le monsieur. La lettre. Prends la lettre. Prends. Prends la lettre, je te dis. Non, mais pas le feu à la lettre non plus. C'est pas ça. Bon, bah, je peux pas prendre la lettre. Dommage. Reviens, monsieur. Faut pas te pendre. C'est pas bien. Trop tard. C'est une sorte de déco. Un peu glauque la déco quand même. Voilà, y a rien. Bon. Bon. Bon ben, on va essayer de faire quelque chose. On va pas pousser la porte. On va prendre la planche. On va pas prendre la planche, mais celle-là. Ah mais oui, suis-je bête. Pour ouvrir la porte, il faut que je prenne la chaise. Bah, de toute façon, il n'y en a plus besoin. Attends, comment je fais pour... Okay, comme ça, demi-tour. Ah. La planche qui gêne, je crois. Ouais, je verrai rien. On va se mettre comme ça. Allez, tour. Voilà. Hop là, ouais, j'ai réussi ma première énigme. Oh, j'ai pété pour les jambes. Ah, toi aussi. Ouais, le pire c'est que j'avais même pas remarqué sur le premier coup quoi. Enfin sur le moment j'ai pas fait gaffe que c'était des jambes. Je crois que c'était du linge qui pendait quoi. Et le son il est pas très fort. Hein. Je crois que je vais l'augmenter un petit peu. Truc à faire ici, je vois qu'on peut monter. Oh, y a rien. Par contre, apparemment, on peut pas se faire mal en tombant, j'ai l'impression. Y a pas de vie en même temps. Ah, là, on dirait qu'on a tiré quelqu'un qui s'était accroché au frigo. Je peux l'ouvrir le frigo. Ouais, j'ai ouvert le frigo. Ah bah, y a plus rien à bouffer. Yes! Mais c'est bien ça! Les chaussures! Tu meurs en un coup, ok. Et genre, il y a des trucs, il y a des endroits, il faut. Oh bah non, je peux pas m'accrocher là-bas. Faut que je continue en fait. Wow! Moi je me dis. Moi je dis, il faut se casser. À m'attaquer. Ah, il y a encore une sangsue qui m'a tombé dessus, non? Voilà. Ça me rappelle les sangsues qu'il y avait dans Another World. C'est exactement les mêmes mouvements et tout, quoi. C'est les mêmes bestioles. Dans Another World de Eric Chahi sur Amiga. Oh, elles me suivent. Pas trop ça. Eh ben moi, je me casse. La. Ah, attends, il y a une bouteille là. Je vais la prendre. Non, c'est pas une bouteille, c'est une lanterne. Je la... Ah, Momogé. Donc, les sangsues, c'est pas gentil. Je le note. Sangsues, pas gentil. Voilà.
Bon là Dylan, est-ce que tu... En un coup de tout, ok. Donc faut tout éviter quoi en fait. Est-ce que tu m'as vu m'énerver depuis que je joue au jeu? Là en l'espace de 10 minutes par rapport à NFS. Hein? Non? Bon, alors c'est que le jeu est bien fait. Voilà. Il est magnifique. Je kiffe. Mais non, je peux pas l'apprendre, je l'admets. Donc voilà la différence entre un jeu bien fait et un jeu pas bien fait. Mais merde! Bah, quel départ. Bon bah tant pis, je me casse. Voilà. Wouhou! Ah, il descend sur. Il y a des choses à lire ou. Alors, je vais lire les journaux. 8 mai 1978. Oh yes! Oh. J'ai un petit ami qui vient de s'en aller. Ah! Oh le piège. Oh punaise. Oh punaise, sauve-toi. Oh punaise, il y en a de partout. Ah! Mais c'est Alien, c'est pas possible. Bon bah super, je suis déjà mort deux fois. Bon, faut se tirer. Faut se tirer. Ah non, faut pas mettre la lumière en fait. Ah si, ça change en fait. Je peux courir? Je dois courir. Non, laissez-moi tranquille. Je vais mourir. Allô. Bon, c'est quoi cet enfer là? C'est easy le début. Bah là je meurs. Encore? Pourquoi je meurs? Je peux pas me battre? Il est où mon RPG ou mon lance-flamme? Je peux pas les cramer avec mon briquet? Normalement les sangsues ça crève au feu. Ça n'aime pas le feu. Ah putain, je crois que je vais crever encore. Non? Ah mais non, mais sérieux. Non mais là, tout de suite... je veux dire, voilà quoi. J'ai pas d'arme, j'ai qu'un pauvre briquet. J'ai même pas une batte de baseball, quoi. Oh putain, je crois que je suis mal barré. Sauve-toi, petit ami. Non! 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 Eh hey, mais c'est ici le début hein. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Pourquoi je meurs? Bon surtout si vous avez fait le jeu ne m'aidez pas hein, parce que je vais trouver tout seul. Des fois ça me prend 10 vies mais... Voilà tu vois par exemple là encore une fois. Voilà comme une merde. Ouais c'est ça et régalez-vous. C'est mon cadavre. Si je mets pas la lumière, ça change ou pas? Ça change quelque chose ou pas? Ah bah non, ça change rien de pas mettre la lumière. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris là. C'est ça des dieux. Nanana, nerf, vous m'attraperez pas. Eh, sinon je peux les écraser en sautant dessus ou pas? Demande. Oh Dylan, je vais désinstaller le jeu, il m'énerve. Mais non, c'est pas juste. Je rigole. Tu rigoles parce que tu me vois galérer comme un noob là. Ah non mais il y en a trop de ce côté là en fait. Ah non mais attends, j'ai compris. Ah non, j'ai pas compris. Je pensais qu'il fallait les attirer là dedans parce qu'ils sont plus lents. Mais en fait non. Je vais faire pipi sur mon canapé. Ce serait dommage quand même.
de tâcher ton canapé. Putain, mais vas-y quoi, c'est que le début, je crève, je crève. Attendez, j'ai une idée. Ah non. Je pensais qu'on pouvait sauter dans ce truc là, moi, ça nous empêche de sauter le goudron. Le goudron. Bon, quel est le truc que j'ai pas pigé? Faut que je réfléchisse. Là, il manque juste... Ah, mais non! Là, il manque juste la séquence de Bob l'éponge. 3 heures plus tard. Et je suis toujours là. A moment later. Non! Je saute dessus. Tu vas y arriver. Ouais, d'ici 2-3 jours. Pas de problème. Oh non, mais passionnant comme gameplay, n'est-ce pas? Regardez un noob mourir par des sangsues, quoi. Ah, mais attends, faut que j'aille dans le seau. Saute dans le seau! Putain, mais quoi, faut pas aller dans le seau? Je peux pas monter dans le seau? Je fais tomber le seau et après je monte dessus. Tu peux pas les cramer? Comment? Comment je peux faire pour cramer? Parce que je peux pas. Je peux pas tendre le briquet ou. Je peux pas faire de lance-flamme avec mon briquet. Oh non, mais non, mais non! Le jeu fait 3h30 avec VX, c'est 45h. 45h. C'est ça? En fait, moi je j'explore. Moult facettes du jeu. Non, mais y'a un truc que j'ai pas pigé en fait avec ces sensus là. Il doit y avoir un truc. Y'a un truc, y'en a trop, c'est pas possible. Et j'ai essayé sans briquet, elle me saute dessus quand même. C'est pas le briquet qui les attire. C'est tout simple. Ouais, bah ouais, ça a l'air d'être tellement simple que je suis trop con en fait. Là, elle bouge plus. Pourquoi elle bouge plus là? Ah, si, il y en a une qui arrive. Bouge-toi! Bouge-toi! Là, ah, c'est le caillou là, faut que je le tire. Comment je fais déjà? Ouais, oh, punaise. Allez, faut l'aider. Faut l'aider le vieux con là. Il trouve pas un truc tout pourri quoi. Sérieusement. La honte! La honte! La honte! Lâchez-moi! 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 Ah! Alléluia! Putain! Il y a un truc à faire avec ce saut là. Hop là, hop là, hop, esquive, hop, hop là, hop là. Et là, je vais dans le machin. Faut raser les murs. C'est ça l'astuce. Faut pas que je les regarde. Ah bah non, c'est pas ça. En vrai, j'ai toujours pas trouvé. Non, mais il se trouve pas. Non, mais s'il se trouve pas, là, faut qu'il désinstalle. Tu peux pas du tout sauter? Bah là, je peux pas sauter en fait. Là je peux sauter. Donc là j'essaye de monter sur le saut. Mais je n'y arrive pas. Parce que je suis un débile. Sors le RPG 7 et puis voilà. Et oui c'est ça, mais moi je demande que ça moi. Un RPG, un BFG 9000, un lance-grenade, une calache, tout ce que tu veux quoi. Venez boire, il y a de l'eau dans le seau, les copines. Ah attends, faut que je les emmène en fait, faut que je les balade. Bah non, ça marche pas. Ah mais non! L'astuce, c'est la porte. Bah ça, je m'en étais douté que c'était la porte. Mais faut y arriver à la porte. Moi, je me fais choper avant. Je suis nul. Cherche trop loin. Bah la porte elle est au bout. One moment later. Ah d'accord.
Le mec est toujours en train de chercher comment passer cette porte. Et là, c'est le drame. Là, j'ai pas le temps de chercher si je me fais choper par les sangsues au bout de 10 secondes. J'ai l'impression de jouer à Battlefield, quoi. Je spawn, je meurs, je spawn, je meurs, je spawn, je meurs. Lâchez-moi. Bon sang de sangsues. La porte. Voilà, j'y suis, la porte. Voilà, c'est ça. Voilà, 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 voilà. C'était tout con. Merde. J'ai juste poussé la porte. Oh putain, mais non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas juste. Non 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 non. Voilà. C'est sûr qu'NFS était nul en fait. Depuis tout à l'heure, je pleure de rire. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Moquez-vous des vieux, c'est pas sympa. J'ai fini Super Mario World, moi, sur Super Nintendo. À 96%. Hein. C'est pas un petit jeu où tu pousses des portes qui va me prendre à jouer quand même. Voilà, rien, moi si je veux passer par là. Non. J'ai fini Pong. Oh punaise, t'as fini Pong. J'ai jamais pu battre le dernier adversaire. C'était trop dur. Il renvoyait toujours la balle. Allez, barrez-vous les sangsues, maintenant je vous connais bien. Je ne serai plus à voir. Ah bah là en fait c'est déjà allumé. Donc maintenant je peux monter là si je veux. Tac. Tu galères à passer une porte. Ouais c'est dingue hein. C'est dingue d'être aussi nul. Et là je vois rien par contre. C'est quoi cette vue? C'est quoi cette caméra? Et là, pas tomber. Pas tomber. Voilà. On va suivre le petit monsieur. Il faisait exprès, voyons. Mais oui, oh là là. Faut bien que je tienne mon audience en haleine, voyons. C'est du suspens, comme on dit. C'est pour faire du suspens. Dans le gameplay. Qu'est-ce qui va m'attendre là? Apparemment il y a une espèce de saut. Ah bah oui, celui là. Bah ça, si c'est ça, ça va. Là c'est bien fait, j'ai l'impression que quand ça souffle, ça éclaire moins. Et où la route? L'avantage avec ce genre de jeu, c'est que quand tu trouves, t'as l'impression d'être intelligent en fait. Même pour quelqu'un qui est con comme moi, ça donne l'impression que je suis intelligent. Là, faut que je me dépêche. Bah non. J'ai pas le temps. Rembobine. Est-ce que je peux sauter? J'essaye, moi, je suis un fou. Oui, dépêche-toi, petit animal. Bah non, j'ai pas le temps. Des gens, t'as poussé une porte, quoi. C'est ça. Ouais, là, je saute, là. Pourquoi j'ai pas le temps? Pourtant, attends, je peux courir, au moins. Je sais plus s'il y a une touche pour courir. C'est pas ça, la touche pour courir. Ah si, c'est X. Ah, je découvre une touche. J'ai découvert la touche pour courir. Cours. T'inquiète, je vais courir là. Je fais. Attention, je cours. 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 Cours, Forest, cours. Ouais. Là, je peux tirer. Oh, copain. Reviens, copain. Il est parti, copain. En fait, tu pouvais courir dans la salle des sangsues. Voilà, voilà. Et là, tu t'aperçois que t'étais con. T'avais oublié qu'il y avait une touche pour courir.
peux remonter plus haut? Ah si, je peux remonter plus haut. Ah, c'est éteint. En fait, tu montes pour rien en fait. Là, je peux pas. Caché. Bon, bref, ça servait à rien. Bref, tout ça pour rien. En fait, ce jeu là, si tu le connais, tu le speedrun en 30 minutes, il est torché quoi. En gros, en fait, tu fais rien. Là, je peux tirer des trucs ou pas? Attendez. Oh, mon pas. Wow, qui c'est lui? Hop, 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 hop. Je suis très fort en... Je suis très fort en corde. Super, je suis rentré dans une cellule. Oh, les latrines. En euro de PQ, ça peut tout servir. Ah mais non, mais attendez. Le jus, il est là. Ah ah. Ah mais je suis trop petit. Faut que je prenne la caisse. Ah ah. Et y a pas d'intelligence là. Ah ah. Là je vous épate là. Là vous êtes époustoustifié, n'est-ce pas? Ouais, ça coupe pas le jus. Ah, j'ai peut-être pas baissé assez fort en fait. Reviens! Voilà. Vite, vite, cours! Ouais, c'est pas faux! Ouais, c'est pas faux! Eh, j'ai pu passer là. Attends, je comprends pas là. Pourquoi on passe d'une cellule à une chambre d'enfant là? Il faut courir. Oh ah merde, raté. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris. Il y a un passage là. Je retourne là, je vois pas l'intérêt. À la balançoire. Faire un succès sur la balançoire. Je vais me faire écraser par le train, non! Ah bah non, j'ai cassé le train. C'est ballot. Pas sympa ça. Bon, l'électricité, où est-elle?
Oui, électricité. On va monter. Mais non, laisse-les ces cubes. Mais non. On va monter. Je vais pousser la commode. Non, je peux pas. Ouais, tiroir. Et tire. Tire. Non, je peux pas non plus. Celui-là ? Ah, celui-là, ça s'ouvre. Là, j'ai pu l'ouvrir. Je peux pas. Je comprends pas là. Pourquoi je peux pas monter ? Oh, je fais des tractions. Bon, encore un mystère à résoudre. Je peux pas passer au-dessus là. Alors pourquoi il me fait retourner derrière, c'est... Retourner de l'autre côté, je comprends. Ouais, Sandar. Un ballon. Lancer le ballon. Là. Je lance pas bien loin. Et je peux monter sur les. Non, faut monter là. Ça, je peux pas le bouger. Là, si je passe, je meurs. Le train, je l'ai cassé. Comment ça fonctionne? Je vais même pas devoir construire une tour avec les petits cubes. Un bon paquet quand même. Il y a un truc à faire avec cette commode. Dylan, j'essaye de réfléchir. J'y arrive pas. Mon cerveau il a dit nope, nope. On voit rien, il fait noir. Ça ressemble à une ravelle. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des trucs avec les cubes là. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricule. Le levier de l'autre pièce. Quoi ? Tu penses que le levier de l'autre côté désactive les deux portes, il faut que je cours ? C'est pas très très mal hein, si c'est ça. Hein. Ah, zut, j'ai tout cassé. Attendez, je la rebalance là-bas. En avant. Oh merde. En avant toutes. Wouh. Bah non. Oh merde. Bah non, pourquoi. Oui, là je peux passer par la fenêtre, mais pour revenir, je cours en fait. Ah, si c'est ça, c'est. Mais attrape le machin. Voilà, c'est bon. Ouais. Non, je sais pas visser avec ma manette. Oh, mais putain, mais c'est pas vrai. Faut que je trace en fait.
c'est ça l'astuce. Ah, c'est du chrono là. Du speedrun. Voilà, et là je speedrun comme un ouf. Allez, dépêche-toi, petit. Je trace. Oh, m'en fous, des cubes. Le petit train, ta gueule. Je passe. Oh. Putain, c'était ça. Bien joué. Merci les copains. Bien vu. Merci, Shao. Je vois que ton intelligence est supérieure à la mienne. Oh là, il y a des cellules, on dirait. Nathalie, quoi? Aïe, je vais y tomber. Oh là, il n'y a rien d'intéressant. Porte. Bah, ça se trouve, il y en a peut-être une que je peux pousser, non? Ouais, j'avance. Là, on a quoi de beau? Oh punaise! Oh punaise! Il y a un truc de poulie. Oh là là. Matelas, je peux le tirer. Non, par mon matelas, il reste là. Wow! Ok, d'accord. L'œil, il est pas gentil. Et là, faut que je trace. Pêche-toi! Voilà. Là, je aïe, je peux pas tracer. J'attende. Go! Tu lances un laser? On veut voir. Ah, en fait, ça c'est le point de checkpoint en fait, ça les lampes. Le mec il comprend que maintenant quoi. Aïe, 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 ça cuit, ça cuit! Aïe! Bah, je sais pas, il me crame. Il me crame avec ses yeux, avec son œil. Il me fait fondre. Pétrification. Ah oui, c'est ça. Médusa. L'œil de la méduse. Bien vu. Bien vu, c'est ça. Je suis exprès de foncer dans les cubes. Un bourrin. Attends, je cours peut-être. Ouais, je vais vous laisser. Oh, Dylan, il s'en va déjà. Oh, il est quelle heure? Minuit. Bah, merci Dylan d'être passé. D'avoir subi ma rage sur NFS. Bah, je pense que t'as bien rigolé. Parce que j'ai pu comprendre. Par contre, il y avait une giga mal au ventre. Tout pareil, nid de dodo. Bah, merci encore. Ah. Bon, alors ne pas tomber de trop haut, sinon ça meurt. Merci encore pour le raid, Shadow. Super cool. Attends, mais qu'est-ce que je fais là du coup, je suis en haut. Et puis bah bonne nuit à ceux qui vont faire dodo, moi aussi je vais pas tarder. De toute façon, est-ce que je peux descendre par là? J'ai vu qu'il y avait une espèce de caisse ou je sais pas quoi, j'aimerais bien voir ce qu'il y avait en fait. Là, ça là. Voilà ça, ce petit passage là. Idem. Dodo, bon courage à toi. Bien oppressant comme jeu, mais sympa à regarder. Moi je veux bien rester, mais je vais pas te parler beaucoup. Notre content et belle découverte ce jeu, je connaissais pas. J'ai trouvé une flippette pour y jouer moi-même. Ah, pourtant il fait pas peur. Enfin, je trouve pas qu'il soit oppressant, c'est juste l'univers qui est vraiment très particulier, qui est super bien travaillé. En tout cas, bonne nuit à vous, merci encore d'être resté en ma compagnie. Je crois que le monsieur va me parler, je crois. Non, il me parle pas, le monsieur. Il est gentil. Il va pas me tuer, lui, au moins.
Ah, on dirait qu'il aime pas trop les lumières. J'ai lancé une vague de dodo. Je reste un peu. Bonne nuit à vous, à la prochaine. Oui, t'as baillé, et voilà. Merci à vous. Bonne nuit. Et soyez sages. Pas trop de bêtises. Ah, attendez, là je peux. Ah non. Du coup, lui, je peux rien dire, je peux pas interagir, je peux rien faire en fait. Je peins son tableau là. Ça. Ça. Pas trop. Tableau. Je suis bien ici. On est bien ici. Peut-être mettre la lumière. C'est mieux avec la lumière. Par contre, je vois pas trop. Que puis-je faire? C'est un œil, mais il est inactif apparemment. Où j'allume? Et le feu? On est bien ici. Du sang. Là, on voit pas trop où je vais. Là, je peux pas monter. Pas la bouger non plus. Oh lol! J'y vais. Un bisou! Ah, il me suit, mais non. J'ai un copain. Qu'est-ce qu'il peut monter? Ah non, sinon je pousse. Ah bah non, je peux pas pousser. Il sait pas monter en plus. Faut que j'envoie. Il est passé où? Reviens là, petit copain. Quand je m'accroupis, ça accroupit. Et là, je l'envoie là-bas. Ah non, ça marche pas. Allez, copain. J'arrive pas à le faire monter. Copain. Y'a là, copain. Voilà. Allez. Tu montes. 1, 2, 3. Ouais. Oh merde! Oh merde! Je l'ai balancé en bas. Wouhou! Quel lancer! Lancer. Oh, il s'est pas monté tout seul. Dommage. Voilà. Non, là. J'arrive pas à le balancer là. Ah! Fait tomber mon joujou. Le pauvre. On va valser à chaque fois. C'est pas lui qui va activer l'œil ou je sais pas quoi. En plus il redescend. Lol, quand shot il saute. Bon, pas tout, mais avec ça, moi, je suis bloqué. Dans mon cerveau, j'ai l'impression qu'il fait déjà dodo, en fait.
Dunkerque. J'ai oublié de faire là, quoi. En fait, il faut que je descende. Je descends là. J'ai pas été tout en haut en fait. Le retour de style. C'est qui style? Ah là, il y a un truc intéressant. Allez, tire. J'arrive pas à l'ouvrir. Allez, Keblo. Ah, celle-là, elle est ouverte. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Ah, encore une statuette. J'ai pas trop compris ce qu'il fait que j'en fasse de ces statuettes. Je les pète? Apparemment, je les pète, ça fait un truc. Pourquoi il est minuscule le mec? Ah, il y a cette espèce de truc noir là, je sais pas ce que c'est. En fait, je vais courir. Aspect le petit Six. C'est une meuf. Des menottes. De matière noire là. Après là il y a un lit, je sais pas trop quoi en faire. Le mec est venu dessiner là. Bon, tout ça pour venir casser la statuette, ok. Elle te ressemble de loin. Après il y a cette espèce de poids là. Faut pas de système. Chelou ce jeu. Ah, il s'appelle Little Nightmares. Donc il parle de cauchemar. Alors je sais pas si cauchemar de qui, de quoi. Ah, on va éteindre la lumière. Hein. Caché sous le lit, tu me trouveras jamais. Nanère. Ah merde, il y a rien sous le lit. Ouais, je vais me casser alors. Cache-toi. Ah, bah j'étais mal caché. Les meilleurs moments. Ah, les meilleurs moments, c'est quand il y a le monsieur. Sinon, je le crame avec mon briquet. Pas passer là. Je peux pas m'accrocher.
Ouais, mais genre, j'étais en train de courir. Oui, je disais avec les grands bras. Bon, bah, je vais rester là, ça se trouve, c'est ça, c'est encore tout con. Je vais pas bouger. Il va pas me voir. Je sais s'il y a un gamin qui dort au-dessus. J'ai pas fait gaffe. Ah, tu vois, c'était tout con. Moi, je réfléchis trop. Voilà, il y a encore cette espèce de matière noire là. Ah, il y a un passage là-haut. Donc il faut que je ramène un truc de là-bas. C'est la caisse, là, je peux pas la prendre, elle est trop lourde. J'ai l'impression. Là, je peux pas m'agripper. Bah non, je suis con, il y a ça pour m'agripper. J'en ai marre de trop réfléchir. Ça, c'est le genre de jeu. Tu vas comprendre à la fin en fait de ce que tu étais en train de jouer. Tout le long du jeu, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et à la fin, tu vas arriver à la fin, tu vas faire ah mais oui bien sûr. Bon sang de bonsoir. Mais c'est évident. J'ai faim. Il y a que j'ai faim. On peut le prendre ça. Je vais tomber par contre. Ah, je peux aller derrière. Si que ça fin. Billet. Transforme en monstre. Je me sens vraiment pas bien. Je peux même plus sauter. Voilà. Vite, va manger. C'est comme les gremlins. On va leur donner à manger après minuit. Ou à boire, je sais plus. Ah, ça va mieux. Un truc de pendaison, sérieux? Ah, là, le saut, je peux le prendre apparemment. J'arrive pas à l'attraper là, de ce côté-là. Pas le bouger. En plus, je peux pas l'ouvrir. C'est dessus. Je vois trop l'intérêt, mais c'est.
c'est les douches. Le mec il commande tout le jeu. Alors ça c'est les douches. Ça c'est des tuyaux. Ça c'est de l'eau par terre. T'as joué seul. Bye, merci pour le bon moment. Bah merci Wings, merci d'être resté sur le, d'être passé sur le stream live. Ah, je peux bouger des trucs là. Cool. Merci à toi. À la prochaine peut-être. Soit sur mon stream, soit sur le stream de Velvet. Ça serait l'occasion aussi. Moi je peux bouger des trucs, c'est cool. Je sais pas trop quoi ça me servir. Bonne nuit à toi. Parce que est-ce que ça peut me servir à quelque chose de le ramener ici? Pour me laver. Je me mets là, je me lave. Ah c'est marrant, le son il est différent quand je me prends de l'eau. C'est bien foutu. Ah d'accord, j'ai compris, ouais, ça me servait. Faut que je me ramène là-bas. Allez hop, un peu de muscu. Peut-être pousser, il paraît que c'est mieux. Allez pousse. Pousse petit bonhomme. Entends-nous ta force herculéenne. Rambo. Sur qui ? Bah, ça bouge plus là, c'est normal ou pas ? C'est bon. Ça passe. Ah ! J'avais pas pensé à la marche. C'est peut-être juste suffisant pour que je puisse sauter là-bas. Ouais, classe. Ah, ça va couper. D'escalade. Oh punaise, il va falloir que je saute sur le truc en mouvement là. Là, on met un petit peu de lumière. Sauvegarder. Bonjour, il y a quelqu'un là-dedans. Bon, faut que je saute. Prends ton élan. Oh yeah. Par contre, j'ai un peu monté. C'est Wings. Ah bah merci pour ton follow Wings. Merci bien. Du coup j'ai tombé. Merci à toi. Ah, je peux monter à l'échelle. Ah, l'échelle. À la chaîne. À l'échelle. Vas-y, je vais monter tout en haut. Je m'arrête pas. Plaisir. Merci beaucoup. Ah, apparemment, je peux aller de l'autre côté aussi. Ouais, il est possible que je continue à stream ce jeu pendant un petit moment, histoire que je le finisse. Ah. Ah non, c'est loin ça. Attends, j'ai sauvegardé la lampe là. T'as abusé les sauvegardes. Pour 45 lives du coup. Ouais, c'est ça à peu près. Au moins 45, ouais. Voilà, faut que je repousse le truc quoi.
Ah, mais c'est juste une histoire de prise en main, après ça ira tout seul. Moi j'aurais compris la mécanique du jeu au bout de 3 heures. Moi j'aurais fini quoi. Ok, ça s'appelle oublier d'appuyer sur X pour courir. Je crois que Dylan a raison. Je crois qu'il va me falloir au moins 45 lives pour le finir ce jeu de 3 heures. Ce jeu qui se finit en 3 heures. Non, mais là c'est un mur ça. Okay. Il y a un trophée, ne pas mourir. Ouais bah je vais jamais chercher, t'inquiète. Hein. Même quand j'aurai fini le jeu, je pense pas que je le referai juste pour avoir le trophée. Hein. T'inquiète. Hein. Ça. J'ai d'autres jeux à faire plutôt que chercher à faire un trophée ou ne pas mourir. Hein. Surtout pour rien quoi. Si encore ça donnait quelque chose. Autre qu'un succès. Bon, monsieur, vous êtes prié de tourner le truc comme il faut. C'est juste pour info. Ouais, non, mais. Merci, du coup, je sais que je ne le ferai pas. Non! Putain. Ah, mais c'est profond, hein. Ah, c'était en fait pour tester la profondeur du truc, voir si c'était dangereux de tomber. Je veux le prendre, celui-là, je pense. Je vais le pousser, ça passe. Ouais, ça passe. Passe. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a deux. C'est justement si t'en fais tomber un. Un deuxième. Allez. Tombe. Allez, dis-moi que tu tombes. Allez. Allez. Voilà. C'est bien ça. Ça c'est moins bien par contre. Tu glisses mieux comme ça. Ah oh, c'est bon, ça passe. Je me coucher, ça passe. Voilà, hop, on va dire que c'est bon. Allez, monte. Il veut pas monter. Mais il veut pas monter. C'est quoi ce bug? Tombe pas surtout. Punaise. Attendez, mais ça tombe, me fait chier, mais en fait je peux monter là. Putain! Elles auraient pas pu me le dire avant. Je fais chier avec mon cube depuis tout à l'heure. En fait je peux monter juste comme ça dessus. Oh là là. Bravo quoi. Bravo Gogolito. Personne me l'aurait dit quoi. Bon bah je crois que je vais arrêter les jeux vidéo hein, c'est plus de mon âge. Quand les jeux te disent des choses, tu gueules. Fais du tricot. Ouais je crois que je vais faire du tricot. En fait là les cubes, on a rien à cirer en fait des cubes. Non mais au moins tu vois t'apprends comme ça. Là tu meurs t'apprends. T'apprends des trucs. Tu vois regarde. Là j'arrive là. Là j'arrive là.
Là, je vois qu'il y a un trou. Je vois qu'il faut sauter de l'autre côté, que je m'agrippe. Pourquoi il ressemble pas mon personnage? Et que je m'agrippe. J'ai pas besoin d'avoir un tutoriel, une vidéo qui te dit là, tu cours et t'appuies sur le bouton A quand tu vas sauter pour t'accrocher de l'autre côté. Non, j'ai pas besoin de le savoir ça. Je sais qu'il faut le faire. C'est juste qu'il faut après bien synchroniser tes doigts quoi et ton cerveau, pas comme moi. Voilà, hop, voilà. Tu vois? J'ai pas besoin d'un tutoriel pour qu'il m'explique qu'il faut que j'aille sauter de l'autre côté hein, et puis on saura quoi. Tout le monde m'abandonne. De toute façon, il est quelle heure? 1h30, ouais, je vais pas tarder aussi. Après, si tu as un remède pour le mal de bide, bah, si t'as mal au ventre et que t'es ballonné, il y a le coca sans bulle. Il faut du coca sans bulle, enlever les bulles et ben ça enlève le mal de bide. Va chier! La méthode Bisaki. Chier, ça marche. Non, je vais pas sauter. C'est grave. Coca sans bulle, ça c'est bien aussi pour quand t'es ballonné. Alors là, j'ai un levier et une manette. Que faire? Je peux pas bouger le levier déjà. Ouais, ça c'est clair. Ah, il bouge pas dans aucun sens. Il va toujours se mettre devant si je me... Voilà. On va faire ça. Et est-ce que je peux faire quelque chose? Non, reviens. Boum. Ah mais du coup je peux pas le contrôler moi à distance. Ah bah si, je suis con. J'active comme ça. Et là je le rebalance de l'autre côté et je cours. Ou pas. Oh putain. Eh, j'y étais presque. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vibration dans le jeu. Si tu cours, mais sur le truc. Bah, j'ai essayé de courir sur le truc. Tu dis. Non, ne te jette pas dans le vide, s'il te plaît. Merci. En fait, je pense que ce jeu-là, quand tu l'as déjà terminé et que tu le connais bien, tu fais un speedrun sur la musique de Mission Impossible, à mon avis, ça déchire tout. Mais non ! Oh ! C'est qui me raconte ses aventures et peut-être je vais dormir. Mes aventures. Donc là vous voyez déjà ce que ça donne sur un pauvre jeu de plateforme. Alors imaginez dans les Sims. Si je joue aux Sims. Genre Misaki au marché, Misaki à l'épicerie, Misaki à la plage. Ouais, comme Martine quoi.
Martine est à la plage, Martine fait du boomerang. Sims, c'est easy, même pas besoin de réfléchir. Je suis sûr que je dors. Donc là, si je garde appuyé, il monte tout le temps le truc ou pas? Il s'arrête tout seul. Donc là, je passe le machin comme ça. D'accord. Non! Oh putain. Mais non! Putain! C'est pas vrai! Putain, tout était parfait là! Ouais, je crois que c'est ça en fait. Quand tu te fais vieux, dès que t'es fatigué, t'arrives plus à rien quoi. Même les trucs les plus faciles du monde. Putain, sérieusement. Je déteste les jeux comme ça. Les perspectives, c'est trompeur. Pourtant, d'habitude, j'ai l'habitude. Enfin, d'ordinaire, j'ai l'habitude de jouer les jeux comme ça en profondeur et tout. Je déteste tous les jeux, sauf les Sims. Et Animal Crossing. Je dis normalement, il y a du bien sur Forza. Ah. Mais non, mais putain, mais c'est pas vrai. Putain, la même quoi. La même connerie. A few moments later. Putain, je vais trop le mettre. Hein. Pour ce jeu-là, ça va trop bien coller. Je vais refaire mon deck. Et je vais mettre les scènes. Où tu spawns pas en rouge, c'est chiant. Ah ouais, en plus, c'est où j'ai sauvegardé. La lampe. C'est les lampes, le point de sauvegarde en fait. Je vais mettre plusieurs cinématiques. X, il y a 25 minutes, tu vois Dylan quand on meurt, on apprend de ses erreurs. Ouais, mais tu vois, regarde, j'ai appris. Sauf que je suis trop débile. Voilà. C'est y apprendre et être débile. Moi je suis dans le deuxième cas. J'apprends mais je reste débile. Ouais, mais tu vois, je suis quand même moins énervé que les 15 000 tutoriels qui t'apprend à appuyer sur X, quoi. Là, tu vois, ça, je recommence. Merde. Je rage parce que je fais n'importe quoi.
Et regarde, pourtant, là, si tu regardes bien la perspective, t'as l'impression qu'il est bien sur le... Il est en avant, il est par là, le truc. Presque. Bon, je vais me coucher. Crois que je vais le refaire demain quand j'aurai les yeux en face des trous. Vous savez, je crois qu'ils sont comme ça mes yeux. Ils partent en diagonale les machins quoi. On n'est pas de bons yeux. Voilà. Je vais arrêter là. Je vais me coucher aussi. Voilà.